Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour à tous, nous sommes de retour en direct sur le salon Interclimat avec le plateau de Bâti Radio au cœur du salon. Nous vous faisons part bien sûr des innovations, des principaux temps forts de ce salon. C'est la dernière journée et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Bertrand Gérard, fondateur de l'agence Millebruy, bonjour. Bonjour. En deux mots, l'agence Millebruy. L'agence Millebruy, c'est une agence vidéo qui est spécialisée dans le BTP, sur la communication BTP. Et à vos côtés, Alban Pelesco, fondateur de la start-up Yoga. C'est bonjour. Quoi Yoga en deux mots? Bonjour. Bonjour. Yoga, c'est une plateforme de transfert de connaissances en vidéo, où l'idée c'est d'allier l'IA, la vidéo, pour faciliter la capitalisation des connaissances et la diffusion des bonnes pratiques sur le terrain. Nous allons donc parler de communication, de vidéo, car vous avez lancé sur ce salon la marque Made in Chantier. Donc voilà, pourquoi cette marque, à quoi ça correspond? Alors le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait énormément de besoins de diffusion, de communication sur les savoir-faire, sur les expertises des entreprises, le côté bonne pratique. Et donc on avait le sentiment qu'il y avait un besoin d'aider les entreprises à mieux communiquer, à identifier des ambassadeurs dans leurs entreprises et qui puissent communiquer facilement en vidéo. Et donc c'est l'alliance entre une plateforme une agence de communication et une plateforme technique pour allier les deux mondes et faciliter la montée en compétences des équipes pour pouvoir diffuser des bonnes pratiques et des messages. C'est-à-dire que vous êtes parti du constat que les entreprises ne mettaient pas en avant suffisamment leur savoir-faire, c'est ça, leur spécificité pour leurs collaborateurs? Oui, tout à fait. C'est quoi? En fait, ils n'étaient pas loin. Moi, j'ai fait 10 ans de communication vidéo, santé, sécurité au sein de l'OPP-BTP. Donc, j'ai été sur les chantiers tout le temps avec justement des interlocuteurs, des entreprises, des salariés, des compagnons qui s'expriment facilement sur leur métier et l'expérience du chantier est vraiment intéressant. On commence à utiliser la vidéo. On a globalement travaillé ensemble avec Alban à leur donner un outil en fait très simple qui est en fait d'utiliser leur smartphone pour pouvoir filmer des étapes de chantier, du mode opératoire, des bons moments de chantier, des phases de chantier, voire des éléments de communication pour en fait améliorer en fait à la fois l'image de l'entreprise et puis surtout ses systèmes. Et c'est Made in Chantier, c'est cette promesse, les accompagner avec un outil. Alors l'outil, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est vos smartphones. On leur conseille un stabilisateur d'image et un micro, hein, de manière à ce que la qualité soit au rendez-vous. Et aujourd'hui, avec des smartphones, on a une image suffisamment qualitative pour avoir une bonne vidéo. Et on les accompagne par un coaching, de manière à ce qu'ils puissent en fait savoir s'exprimer, quoi filmer, comment. Donc avec là, notre expérience et leur talent, voilà, clairement. On demande aux entreprises d'identifier quels seraient les ambassadeurs. Être ambassadeur, c'est déjà être volontaire. Et on s'appuie sur toute la tech en fait de Yoga, qui a un savoir-faire, qui a beaucoup de références. C'est comme ça qu'on a décidé de faire cette marque ensemble, pour pouvoir derrière capitaliser en fait l'ensemble de ce contenu vidéo. Parce qu'il faut une plateforme pour gérer tout ça. Oui, c'est quoi justement le savoir-faire de Yoga pour réaliser ces vidéos? C'est quoi le petit plus? Alors le petit plus, c'est qu'on a tout un dispositif qui permet de structurer le récit avec des modèles, qui permettent d'avoir des modèles de questions avec les différentes étapes. Comme ça, on stocke le storytelling, les éléments de langage. On envoie ces éléments-là à l'ambassadeur, au compagnon, qui va pouvoir utiliser son smartphone avec l'application Yoga pour créer cette vidéo. La vidéo va être automatiquement montée, c'est-à-dire qu'il va y avoir les éléments de communication, le jingle de début, le jingle de fin, les transitions, le titre. On va avoir une retranscription de l'ensemble de ces contenus pour pouvoir retrouver les moments clés et on va être capable de compresser et de rediffuser cette information de la façon la plus efficace au niveau de la plateforme. Et on gère tout ce qui est règles de communication, circuit de validation vis-à-vis de la prévention, parce que ce sont des éléments qui sont nécessaires au niveau du secteur du BTP. Mais c'est des formats clés en main que vous livrez ou c'est vraiment un accompagnement?
Comment ça se présente ? On a travaillé ensemble déjà par le passé. On a identifié qu'il fallait vraiment des modèles. D'accord. Des modèles. Hein, c'est ce qui se fait. C'est plus pratique. Ça permet aussi d'être dupliqué, tout simplement. Et donc, ce qu'on fait avec l'entreprise, c'est on l'accompagne déjà à identifier son besoin. C'est un besoin de communication, d'amélioration des systèmes. On peut aussi, pour des entreprises, travailler sur la prévention, par exemple. Capter le matin une équipe sur un chantier et l'après-midi restituer avec ses équipes pour parler justement des situations de travail entre en vidéo, gérer sur la plateforme, derrière rediffuser à partir de la plateforme. C'est un véritable outil qui amène de l'efficacité. Donc on s'est dit, on part pas de rien, c'est pas possible. On travaille sur un modèle très court et là-dessus on les coach de manière à ce qu'ils rentrent justement dans les pas de ce récit, de cette narration. Et ils sont en confiance. Et avec leur talent et le modèle, on arrive à avoir des modèles, des formats, hein, on peut parler de ce mot, des formats qui facilitent justement l'usage de la vidéo parce que ça peut devenir un réflexe sur un moment du chantier. Et ce qui va être important pour nous, en termes d'angle, c'est qu'on s'intéresse aux gens. Made in chantier, c'est les gens. Oui, vous voulez dire, on revient sur l'humain, quoi. Voilà, on est moins sur le succès technique, ouais. Et ça permet à l'entreprise de travailler à la fois son image de marque, de reconnaître aussi le talent de ses salariés, l'engagement des collaborateurs, parce que c'est eux qui s'expriment. Et finalement, ça profite à tout le monde et ça permet de faciliter aussi pour les entreprises de bâtiments qui ont parfois du mal à solliciter leurs clients pour avoir un retour en fait là-dessus. Ça permet en fait à l'entreprise de montrer son savoir-faire, son expertise plus facilement en termes de communication. Parce qu'avoir intégré sa communication d'une manière durable, c'est-à-dire sur un modèle qu'on peut systématiser, c'est assez beaucoup plus facile aujourd'hui à adopter comme système. Et les entreprises, on pense, ont besoin de systèmes. Et c'est le feedback qu'on a eu sur Batimat. Oui, vous sentez qu'il y a un bon accueil, il y a une attente. En fait, l'entreprise a un peu perdu de vue peut-être le client, l'humain, tellement elle est focalisée sur son business. Et donc, elle en a perdu un peu son ADN, son savoir-faire, qu'elle n'a pas su mettre en avant, c'est ça ? C'est tout à fait le constat qu'on a fait. Ouais. Et sur Batimat, on a eu pas mal de jeunes qui sont venus sur le stand, qui nous ont dit « Ah mais ça, c'est comme ça qu'on devrait communiquer ». On a eu même le STP qui nous ont dit bah, « C'est l'une des startups qui nous paraissent la plus intéressante sur le stand de la construction tech sur lequel on est et qui est géré par le 3CABTP et le WinLab. » On remercie, on profite pour remercier à l'occasion. Et c'est vrai que ce retour-là positif, des jeunes qui sont motivés, qui communiquent déjà par des réseaux sociaux, qui ont l'habitude, on se dit que c'est l'opportunité vraiment pour l'entreprise de capitaliser cette énergie, ces bonnes pratiques et engager un maximum ses collaborateurs, surtout quand on mesure le désengagement de certains collaborateurs au niveau des organisations et des dernières stats. Vous visez aussi bien les petites entreprises que les grosses entreprises, c'est ça pour vous, c'est uniquement dans le secteur du BTP cette offre ? Cette offre, elle est uniquement dans le secteur du BTP, parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose, un message à donner pour cette marque. Et après, nous, côté Yoga, on travaille beaucoup plus avec des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a comme clients, on a des gens comme Colas, comme Vinci, comme Bouygues, qui travaillent déjà avec nous, l'OPP aussi. Donc c'est vrai qu'on pense que pour une petite entreprise qui a potentiellement pas de préventeur, avoir quelque chose, avoir un message qui peut être communiqué par ses propres équipes, parce que souvent, c'est le chef d'entreprise aujourd'hui qui fait ce rôle-là de prévention, d'explication des gestes, d'explication du savoir-faire. Si ça peut être partagé, bah déjà il a moins de responsabilités et surtout bah, il engage l'ensemble de ses collaborateurs en leur disant bah, je vous fais confiance, je vous donne la parole, vous êtes capable d'exprimer, vous êtes capable de communiquer sur mon entreprise. Et on pense que les petites entreprises ont besoin de ça et ont des difficultés pour faire ce genre de choses. Et quelque part, c'est une solution aussi pour justement les jeunes, les apprentis, pour les jeunes qui veulent, enfin, ou qui ont du mal à peut-être à percevoir ce secteur du BTP qui innove, qui se modernise. C'est montrer que bah, vraiment de manière simple et humaine, que le secteur est attractif, quoi. Tout à fait, en fait, ça permet de révéler toutes les poches d'expertise qu'il y a sur les chantiers à travers le savoir-faire des équipes, des compagnons, des systèmes. Et ça participe de l'attractivité du métier, des secteurs. Ça, le feedback justement des jeunes, des apprenants qui viennent nous voir et qui trouvent la solution très intéressante, c'est parce qu'ils ont besoin de l'expérience de la vie de chantier. Et c'est la promesse de Made in Chantier qu'on a décidé de lancer avec Albon. Et on est très content déjà du feedback et on est surpris en fait du profil des entreprises qui viennent nous voir.
parce qu'on se rend compte qu'ils ont besoin justement de systèmes qui leur facilitent le champ à la fois de tout ce qui est QSE, mais également de la communication. Ça devient un sujet pour eux d'entretenir la notoriété à travers des outils. Oui, vous sentez le besoin, quoi, ouais, c'est ça. Tout c'est à fait. Vraiment tout à notoriété fait. Pour justement améliorer leur clientèle, leur relation aussi, un rapport de confiance avec le client et puis démarcher de nouveaux clients, c'est ça. C'est exactement. Mmh. Ouais. Communiquer sur soi, sur son expertise, mmh, en ayant une posture orientée vers le talent de ses salariés, c'est communiquer durablement, être capable de pouvoir en fait parler de soi. Sans mettre en porte-à-faux ses clients, et ça c'est très important, et c'est tellement dans la philosophie du BTP, dans les postures. Et puis nous, ce qu'on aime aussi avec Alban, c'est construire quelque chose qui soit ouvert, où il y ait cette logique de partage d'expérience, parce qu'on croit fortement en fait au fait de partager les bonnes pratiques. Ça doit vraiment bénéficier au secteur et aux branches. Et surtout que c'est un processus qu'on a déjà rodé en fait au niveau du yoga. On institutionnalise avec une marque, mais aujourd'hui sur la plateforme Yoga, il y a 8000 utilisateurs tous les mois, on a plus de 7000 vidéos, on a énormément de contenus qui ont été faits effectivement plus par des grandes entreprises, mais on pense que ça peut s'adapter à des plus petites entreprises et qu'elles ont besoin des mêmes outils que ce que des grandes entreprises utilisent et pratiquent. Donc si on veut en savoir plus, on va où ? Madeinchantier.fr. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Et yoga, le site de yoga aussi, qui évidemment... Très bien. Bah, écoutez, bon courage pour le lancement donc, de cette belle marque. Merci beaucoup, Romain, Alban. Bonne fin de salon. Et on se retrouve dans un instant donc, pour continuer un petit peu notre exploration des innovations et des temps forts sur Interclimat en cette dernière journée. Ciao. Interclimat. Le Salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Bâti Radio.